Précédemment dans Self Story. Je cherche Florence. Sous le hangar, elle est attachée dans la cave. Et mon numéro. Faut faire non. Du free fight. Hein? Non, je suis pas intéressé. Bonjour Adalbert. On va où? On est repéré, on est en danger là. Rupert, j'ai des gens très puissants qui me poursuivent, alors file-moi ton prototype. Gartuc, fournis-moi juste un entraîneur. Bonjour, Trophion. Alors écoute-moi bien, face de bidet. J'en ai entraîné des pisseux. Certains en sont morts, mais certains font maintenant partie de l'élite des gardes du corps de Teddy Riner. C'est où? Alors tu vas faire ce que je te demande. Sinon ta tête va tellement ressembler à un cul de babouin que t'auras honte de chier. Des questions? J'en ai une. Attends. C'est toi qui as la clé? La clé de quoi? La clé pour fermer ta grande gueule! Je ne veux plus jamais que tu l'ouvres! Vomissure de rats dégoumarnés! Et ce que je t'ai demandé, c'est quand t'étais petit, ton berceau a brûlé et tes parents t'ont éteint un coup de poil! Non! Tu souffrirais pas d'une aversion crâne-rectum? Quand je te dis de te taire, tu te tais! Tu vois la maison là-bas? Ça fait une semaine que les toilettes sont bouchées! Alors tu prends ta ventouse, ton balai à chiottes et tu vas sticker! Maintenant! Ton balai porte de la queue! On est chez qui? Chez ma cliente. Ah, vous êtes plombière? C'est pas courant chez une femme. Non, je suis pas plombière, je suis mercenaire. Mercenaire? Mais bon, ça rapporte pas assez, alors pour en mettre un peu de beurre dans les épinards. Ah, vous êtes cuisinière? Non? Mais alors, si vous êtes mercenaire, vous êtes la mère de qui exactement? Mais je suis la mère de personne! Ah, vous êtes fille au père! Alors, toi, t'es comme un meuble Ikea. T'as été livré en kit, mais il manque une pièce. C'est qui Ikea? C'est votre fille? Ah, ouais, c'est beau! Allez, on peut savoir ce qui se passe? Ça sert à rien, là. C'est pas comme ça que je vais la venger. J'aurais pas dû te faire venir, c'était une erreur. Si t'avais pas de pied, tu mettrais des chaussures? Non. Bah alors pourquoi tu mets des slips, bordel? T'as des testicules de canari ou quoi? Tu m'étonnes qu'elle soit morte, Florence, avec un pisse-froid pareil. Tu l'aimais, oui ou non? Alors lève-toi et nettoie-moi ce foutu chiotte. Bien circulaire le mouvement. Mais t'es belle comme un pied d'un cul de jatte. T'es sûr que ça marche ton truc? Oui, je lui ai implanté un petit logiciel. Elle pourrait te servir de sparring partner? Bah normalement, il suffit juste de dire mode combat. Hey, t'es mort.
Je vais te bouffer. Je m'inquiète pas, mais pour lui, je me demande quand même. Il a dû manger trop de sucre. Qu'est-ce que t'as ? T'es fâché ? Qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Non, t'as rien oublié, c'est... J'ai peur. Je me sens nu sans la technologie, je suis pas un guerrier, moi. Adalbert, tu vas y arriver. Ça fait plus d'un mois et demi que tu récures toutes les maisons de la région parisienne. J'ai jamais vu personne passer la serpillière comme toi. En même temps, je crois que j'ai jamais vu personne passer la serpillière. Je sais pas, j'ai peut-être oublié, j'ai un doute. Merci, Florence. Mais de rien. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bon, tout est prêt pour le combat. Qu'on soit bien clair, c'est du free fight, alors tous les coups sont permis. C'est bon pour vous ? C'est nickel. Hé, hey, champion, t'as intérêt à gagner parce que j'ai parié sur toi. T'es prêt, mon bidet ? Le quintuple champion du monde, il totalise 33 combats pour 33 victoires, dont 29 par décès. Il mesure 1m90 et pèse 100 kg. On le surnomme l'éventreur de Sergi, Hurricane. À ma droite, Adalbert dit l'éprouvette du cocu. Quel sera le genre du prochain épisode ? Policier ? Documentaire ? Horreur ? Full footage ? À vous de jouer ! C'est quand vous voulez pour un autre combat ? Ok, frérot, c'était quoi ? Bravo, maintenant ? Génial. Bien joué, mon petit gars. C'est l'heure de la revanche. Il suffit juste de dire, ça te fait rire. Non ! Hein ? Est-ce que tu souffrirais pas d'une inversion crâne-rectum ? Alors quand je te dis de te taire, tu te tais ! Je suis désolée. Ah mais moi j'ai trop froid en fait. Ouais. Alors tu prends ta ventouse, ton balai à chiottes et tu vas piquer.